Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer un truc, un plan en radin malin qui est plutôt pas mal. C'est une imprimante en fait d'un nouveau type que je connaissais pas et que j'ai découvert récemment. C'est Epson qui fait ça, mais il y a aussi Canon, ça s'appelle Epson EcoTank. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'acheter sur Amazon. Ça coûte un petit peu plus cher qu'une imprimante classique, mais par contre ça dure beaucoup plus longtemps. Déjà elle est fournie avec ses bouteilles de recharge d'encre, vous voyez ici. En fait ça marche comme ça. Ici, vous rechargez l'encre là-dedans. Là. Vous devez juste verser l'encre des bouteilles là-dedans. Et elle est fournie avec ces 4 bouteilles, ce qui vous permet de faire à peu près 2 ans d'impression. Ça vous dure facilement 2 ans. Vous pouvez imprimer 4000 pages en noir et blanc, 6500 pages en couleur. Et ça coûte 10 fois moins cher, 10 fois moins cher qu'une imprimante jet d'encre classique au coût de la page. Une page imprimée vous coûte 0,7 centimes, donc c'est-à-dire même pas 1 centime, alors que normalement c'est 7 centimes. Et même une imprimante laser, ça coûte quand même plus cher à la page que ce genre d'imprimante-là. Et en plus de ça, ça consomme moins d'énergie, et elles sont vraiment faites pour durer. Alors j'en parle parce que c'est bien que Epson ait enfin fait quelque chose contre l'obsolescence programmée, eux qui se sont fait souvent critiquer pour ça. Donc de ce côté-là, je pense que c'est l'imprimante la plus écolo qui existe. Si vous avez pas mal de besoins d'impression, c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ci-dessous sur ce que vous pensez de ce genre d'imprimante, si vous les avez testées ou pas, si vous avez des inconvénients ou des avantages ou peut-être d'autres modèles à recommander. N'hésitez pas, voilà, bonne journée.